Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou YouTube, bienvenue. Nous sommes en live tous les soirs sur Twitch, évidemment, twitch.tv/mrbboy45. Vous avez vu, il y a le chat qui vous fait des petits coucous et on aime les chats qui font des petits coucous, ça fait extrêmement plaisir. Nous allons aujourd'hui essayer Deathloop, évidemment. Donc, loop. Qu'est-ce qu'une loupe quand on y pense? C'est tout simplement une boucle de la mort, où en gros nous allons vivre en boucle toujours les mêmes choses. Donc c'est un jeu qui peut vite tourner en rond. Évidemment, j'adore l'humour. N'oublions pas que je suis payé parce que je suis avant tout humoriste. Mais c'est aussi un jeu où nous allons refaire plusieurs fois les mêmes choses pour diverses raisons qu'il faut éviter de dire parce que ça spoilerait le principal du scénario, n'est-ce pas? Je rappelle que derrière Deathloop, c'est tout simplement Arkane Studio, n'est-ce pas? On les embrasse, très très bon studio qui fait que des très bons jeux comme les Dishonored. Évidemment qu'il y a une communauté très féroce et très agressive, mais fort agréable. Donc, et je pense que ce jeu va satisfaire d'ores et déjà une bonne partie de cette communauté-là. Et en plus de cela, on peut découvrir un jeu avec un tout nouveau délire, un tout nouveau pleasures, évidemment. On va pas se connecter parce que je ne veux pas. Voilà, je suis désolé Bethesda. Oh non, attendez Bethesda. Bethesda, c'est bon, c'est bon. Bethesda, vous m'avez fait une petite peur là, hein. Vous m'avez fait une petite peur, hein. Et comme vous pouvez le voir, c'est Bethesda derrière. Ceci est donc la dernière exclusivité PlayStation. Donc, le jeu n'est sorti que sur PlayStation 5 et sur PC. Ce n'est pas sorti sur les consoles concurrentes, malgré que Bethesda ait été racheté par vous savez qui. Voilà, on va pas trop en dire, les gars. Moi, je veux pas passer à côté du chèque. Et qui dit chèque ? Des opérations spé, évidemment, et je suis payé pour jouer à ce jeu, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, on active les sous-titres, la taille, on va mettre en grand quand même, hein, s'il vous plaît, parce qu'ici, nous sommes de grandes personnes, et les sous-titres, ça me paraît pas mal en 40, ça a l'air assez équilibré. Donc, la sauvegarde automatique, nous avons d'ores et déjà le choix entre protéger la boucle, bon, c'est un faux choix parce qu'on n'a pas le choix en vrai, d'accord, et briser la boucle. Donc, brisez la boucle, vous incarnez Colt et vous vivez la boucle à 100%. Et protégez la boucle, vous jouez en ligne en incarnant Juliana et envahissez les dimensions d'autres joueurs. Vous traquez Colt pour gagner des récompenses. Bon, alors déjà dans le délire, ça me plaît bien. Moi, vous savez que tout ce qui est temporalité, tout ce qui est boucle temporelle et tout, moi, ça me fait un petit peu vibrer, je vais pas vous mytho. Donc, on va briser la boucle. Il est temps tous ensemble d'aller briser la boucle et de voir un petit peu ce qui nous attend et surtout ce que cache la boucle. Merci la Miche pour le 25e mois et merci à Chindele pour le tier 3. Ça fait extrêmement plaisir évidemment. Un tonnerre d'applaudissements et je rappelle les mots de cher, de notre cher Tony FPS. C'est beau, c'est beau. Merci mon bro. Allez, il est temps de briser la boucle. On y va. On y va, on y va. On va voir enfin, enfin, après... Bougez pas. J'ai pas la moindre idée de... Merde, ça sent pas bon. Tu vas te dépêcher, oui. Je me pose beaucoup de questions sur le jeu. Est-ce que c'est une map qu'on va revivre à l'infini et donc une map ultra léchée? Stupide cauchemar. Oh, putain, faut que j'arrête la picole. Merci Bijato pour le 16ème. Oh putain. Comment je suis arrivé là? Ok. Le jour le plus long. Très bien. On va ouvrir ça. Qui que je sois, où que je sois, et qu'importe ce que ça me coûte, je me barre d'ici. Explorer les lieux. J'ai rêvé que je mourrais. Je l'ai senti comme je sens cette plage gelée. Mais je ne suis pas mort. Alors, je suis quoi? Très bien. Donc, c'est le tuto. On va passer le tuto. Jusqu'ici, pas de soucis. Brise la boucle. Brise la boucle? Dites-moi que je rêve. Non, toujours là. Je le vois et merde. Ok, donc il voit ce qu'on voit aussi. Ok, niveau jouabilité, on est sur du Dishonored. Qui suis-je? Mon nom. Mon nom,
bordel de merde! C'est quoi mon nom? Ok. Pistolet mitrailleur d'infanterie légère. Pourquoi je sais ça? Oh, ok. Ok. Viser, tirer, recharger, appuyer pour reprendre le combat. Les armes à feu traditionnelles ont tendance à s'enrayer. Un peu de pratique, appuie dessus, t'es rouillé. Ok. Très très bien. Est-ce qu'on a des munes? Bien sûr qu'on a des munes. Ok, bon jusqu'ici ça va, hein, pas trop de difficultés. On peut allumer le réveil. Ah tiens, faut peut-être regarder l'heure, non? Ok. Rien n'a changé. Le téléphone bip. Ok, on est parti? On est parti. Là, j'ai un trait sur le cercle. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est ma première boucle? Oh, génial, bien sûr. C'est moi, je suis toi. Ok. Tiens, tiens, ça me rappelle un truc. Ça a l'air d'être chez moi. Sois le meilleur de toi-même. Très bien. Ça brille. Je me sens tout drôle. Alors, un breloque. Les breloques sont empreintes du pouvoir de l'anomalie temporelle de Black Reef. Certaines amplifient vos talents et attributs, tandis que d'autres améliorent vos armes. Plus la breloque est de qualité, plus ses effets sont puissants. Vous pouvez équiper les breloques entre les missions, mais avant, il faut les récupérer. Vous les trouverez cachés un peu partout sur Black Reef ou à prendre sur vos ennemis. Ok, donc vous avez compris, là où nous sommes, ça s'appelle tout simplement Black Reef. Charlie, Harriet, Egor, Frank, donc Frank alias le baratineur, Alexis, Dr. Wenji et Juliana Blake, évidemment. Si je lis, rat de bibliothèque, tient bien l'alcool, colonne vertébrale en titane, module mascarade. Ok, va... C'est un peu flippant. Va peut-être falloir tous les tuer, non? Petite contrebandière à son papa, ne lâche pas son pinceau, possède tout ce que le monde veut, utilise le module KO, frappe sans aucune mesure. Ok. Scientifique brillant, bosseuse acharnée, puce dans l'épaule, jamais vu un module à la main. Charlie, moitié génie, moitié connard, complètement geek, son module transposition le rend difficile à coincer. Harriet, guide spirituel et auteur en développement personnel, séquelles psychologiques de l'accident, manigance quelque chose dans le hangar, relie les gens avec le module Nexus. Egor, scientifique autoproclamé, explorateur enthousiaste, une vache à lait, son module éther le rend plus invisible qu'il ne l'était déjà. Et Frank, musicien fantastique, tempérament impulsif et vilain crochet du droit. Pas de module, aucune aptitude, mais un tireur d'élite. Ok, donc on aura un sniper, on aura de tout. Hein. Connard, alors Alexis. Connard plein aux as, son manoir sur la colline est une forteresse, organise une grosse soirée, il appelle son module. Ok, je pense qu'on va devoir tous les tuer en plusieurs boucles en fait, non? Ou en une seule boucle? Sans jamais mourir, ça serait incroyable. Je commence à bien... En tout cas, le délire de base, le speech, ça me parle un peu, tu vois. Black Reef. On doit être hors saison. Ok. Ouais, c'est moi qui ai fait ça, je crois. Très bien. Aka magique. Utilise le Aka magique pour pirater les appareils électroniques et les retourner à votre avantage. Visez avec L1 pour le pirater. Une fois piraté, certains appareils peuvent être déclenchés à distance. Visez l'appareil en question et appuyez sur L1. Tout appareil doté d'une antenne peut être piraté. Par conséquent... Ok. C'est pas mal ça. Merci Scar. Oh là là là, Scarzov. Merci mon frérot pour le 23e mois. Tu connais le code. Bordel, je connais aucun code. Tu connais le code. Qu'est-ce que. Tu connais le code. Je crois que je connais le code, les gars. Hey, tu connais le code. Il est juste là. Tu connais le code. Colt? Hey, c'est mon nom, Colt? Colt. C'est forcément Colt. Ça, hein.
J'ai pas l'impression. Trouvez le code, trouvez. Je ne connais pas de code. Je ferais bien d'aller en chercher un. Si on m'appelait Colt. Ok, donc je m'appelle Colt. Appuyez sur R3 pour botter des culs ou ce que vous voulez. Ok. Ok, Colt. Allons trouver ce code. Ok, 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 ok. Ça me plaît. Ça me plaît pas mal, là. Ça commence à me plaire. Colt. L'eau peu profonde fait mal, l'eau profonde tue, baignade interdite. C'est froid. Ok. Bonjour Black Reef, ici Juliana Blake. Merde, c'est elle. Très bien. Ah, ça parle de la boucle. Ouais, ça présage rien de bon. Ok, donc on doit me tuer. Très bien. Très très bien. Vaut mieux qu'on fasse le tuto ensemble, au pire. Ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus. Appuyez sur R1 lorsque l'interaction apparaît à l'écran pour effectuer une exécution. Vous pouvez effectuer une exécution lorsque vous êtes armé ou à main nue. Ok. Allô, une nuit noire, je suis le revenant. Le revenant, baby. Le téléphone bip. Ok. Oh, il a disparu. Ça semblait trop facile. J'ai déjà fait ça, obligé. Ok, pas ok. Besoin de munitions. Oui. Oui. Et là, y'a rien. Oui. Oui, oui. Oui. La réponse à l'univers, oui. Pas dégueu. Oui. Oui. Je dirais même plus. Encore un petit oui quand même? Non? Demain ils seront de retour. Pourquoi je m'en fous? Donc on va vivre sur la même map en boucle. Ça me plaît, ça me plaît. Ça peut être sale ce qui va se passer. Je rappelle qu'on est sur PlayStation 5. Ah, j'ai foiré les gars. Ok. Demain, ils seront de retour. Donc, on va vivre le même jeu, non, en fait, tout le temps. Va. C'est ça? Concentration. Appuyez pour marquer un ennemi et afficher sur votre écran un indicateur. Maintenez pour vous concentrer sur vos ennemis et ainsi en savoir plus sur eux. Les Eternalis possèdent des équipements particulièrement puissants. Combattant à l'épée, pense qu'il ne se passera rien aujourd'hui, équipement basique. Mais what, c'est trop bien ça. Pense qu'il ne se passera rien aujourd'hui, kit standard. Sachant que ça va être un jeu de bourrin les refs, hein. Ça, ah, ça va me plaire. Hein. Combattant à l'épée, pense qu'il ne se passera rien aujourd'hui. Y a pas écrit aveugle dans les descriptions? Quoi? Je peux prendre son corps? Ah non, il disparaît. La boucle est bouclée. On l'a bouclée. Oh non, c'est enrayé.
Alarme et éclaireur. Oh non, c'est un éclaireur. Ok, dans ce cas de figure, les renforts hostiles, les éclaireurs à bord peuvent déclencher les systèmes d'alarme. Vous êtes libre de détaler ou de rester vous battre. Vous pouvez pirater la radio. Couvrez-moi. Ouais, allô? Allô? Hein? Je... Ah putain, elle me parle dans la manette. Je sais pas trop ce que j'ai foutu hier soir, mais si tu pouvais juste... Attends, quoi? Je vous mets la manette près du micro. Hein. Je crois qu'on se connaît. On se connaît, hein? Attendez. Pour le son, au pire, on va pas faire de haut-parleur, langue des voix, normalement. Ah, yes, ok. Non. Ah, on peut pas faire en sorte que la manette ne parle pas? Dommage, volume, haut-parleur. C'est... Ah! Ah, let's go! C'est bon. De quoi tu te souviens à propos de moi? Bah, c'est un peu embrouillé. De quoi tu te souviens? Je m'appelle Colt. À propos de moi? Tu veux me tuer, je sais pas pourquoi. Et je sais aussi un putain de code que je piche pas. Et il y a cette boucle. Tu veux briser la boucle, c'est ça? Ouais. Je crois, je pense. Colt. Écoute, si tu n'essaies pas de briser la boucle, je te tuerai. Encore et encore, de façon toujours plus violente. Jusqu'à ce que tu... Ok, je vais la briser ta putain de boucle. Et quoi que j'ai fait pour t'emmerder, je suis désolé. T'es là? T'avais encore jamais dit ça avant. On était ensemble? Fais un tour dans la bibliothèque. Il faut que tu vois ça. Ok. Je commence à me poser beaucoup de questions et j'avoue que ça commence peut-être à me plaire là. Ça commence à me plaire le chat. Vous comprenez ça? La boucle est bouclée! Ok, faut que j'aille. Bah là-haut. Ok. Ah. Qu'est-ce que t'attends? Ça va être une journée productive ou non? Bibliothèque! Bouge-toi le derche! Station de soins, utiliser une station de soins. Ok. C'est bon. Je me sens parfaitement bien. Du bon pain. Un petit style un peu Fallout la temporalité, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu années 80, 70-80. Oh. Ah putain, je crois que les ennemis peuvent glisser là-dessus. Ok. Ça a l'air d'être une bibliothèque, ça, non? Enfin, une petite bibliothèque, bibliothèque française. Oh, Sukhoi. Okay. Brise la boucle. On va essayer de tout fouiller. Est-ce qu'on est dans un jeu vidéo? Peut-être, je sais pas. C'est pas là, la bibliothèque, Colt. Bon, je suis dans la bibliothèque. Quoi que tu fasses, ne pousse pas ce levier. Hein? Quoi? T'es là? Hop. Là. Quoi? Oh, tu te fais toujours avoir par les mêmes vieux trucs. Tu pourrais pas faire un effort pour rendre ça intéressant rien qu'une fois? C'est quoi ce truc de merde? Garnésis. Alors c'est comme ça que tu le prends. Tu sais que d'habitude, je suis sympa avec toi, espèce de sale ingrat. Mais... Cette fois, je vais te laisser te démerder. Oui, on est ensemble. Oh, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Oh, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne t'en souviens pas. Et le code? Tu t'en souviens du code? Je connais pas
Le code. Ne lui dis rien. Saute, 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 tu survivras, renvoie-lui l'appareil. Saute. Putain, c'est quoi ce délire? T'es... Écoute-moi. Tu l'as noté sur Blackriff. Tu connais déjà le code. Qu'est-ce que ça veut dire, putain? Allô? T'es déjà mort? Oh, putain. Je t'attends toujours. Prends-moi. Qu'est-ce que t'es lourd? La carte postale, poulet. Tu l'as écrit sur la carte postale de Blackriff. Tu piges? Ok. Attends. Ok. Attends. Je me souviens. Non. Merde. Non. Non. Ok. Let's go. Merci mon Rafou. Merci pour le cinquième mois. Le chat, vous commencez à en penser quoi là, un petit peu du game là? Je viens de mourir. C'est quoi ce putain de bordel? Bon, carte postale, carte postale. Va chercher la carte. Ok. Tire-toi de cette plage. Examiner la carte postale. Pas de souci, je me souviens parfaitement où elle est. De toute façon, elle m'est indiquée. Regardez la sorte de la barre en haut à gauche. Elle a. Elle le est terminée. Matin, la même putain d'émission. Ok. Tu m'as manqué. Très très bien. Tu l'as noté sur Blackriff. On reprend ça. Prends-moi. Sois le meilleur de toi-même. Ça on prend. Putain de sale blague. Ok, 43-31. Expéditeur Colt, adresse premier étage d'Orsay Square, Up Dame. Les gars, le jeu, je commence à kiffer. Je trouve ça vraiment intéressant. Vous avez vu? À voir, mais beaucoup de potentiel. Jamais, jamais la boucle. C'est totalement impossible. Tu veux que je la brise? Tu veux pas que je la brise? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu sois. Pas un enfoiré. Super! C'est une matinée ou deux au top. J'en ai ma claque. Ça va le son du jeu, les potes? Vous voulez que je mette plus fort, moins fort? Ça se termine aujourd'hui. Et par où commencer? Hup Dame! C'est évident. Un peu plus fort. Bougez pas. On est bon, c'est mieux. On sera en alerte maximale et les loisirs seront restreints jusqu'à sa mort. Alors tuez-le vite, d'accord? Et n'oubliez pas, profitez bien de votre journée. Oh, il va me falloir plus de munitions. Des grenades. Ok. Ouais. Flèche de gauche. Que je suis pas maintenez. Pêcheur, ok. Finalement. Grenade L1 pour lancer, maintenez L1 pour déclencher avant de lancer. Mine laser, mine à proximité. Ah oh ouais, putain, ça va être terrible ça. Ok. Ouais. Va falloir se faire aux touches. Il y en a pas mal en vrai. Pourquoi on mettrait ça dans... Merci Shadoxu pour le prime. Putain. Wow. Ok. C'est normal que ça fasse ça. Oh, c'est froid et bizarre. Oh. Ok. Cette mystérieuse pièce de métal semble vous appartenir. Le module vous confère la capacité de reprise permettant de revenir deux fois après avoir trouvé la mort. Si vous mourrez une troisième fois, la boucle en cours prendra fin. Vous vous réveillerez au matin de la boucle suivante, dépourvu de tous les équipements collectés. Après être revenu à la vie grâce à une reprise, vous demeurez invisible quelques secondes. Profitez-en pour vous mettre à l'abri. Le nombre de résurrections prévues par la reprise est remis à zéro lors du voyage entre quartiers. Ok. Vous possédez un flingue, une poignée de grenades et une adresse dans un coin appelé Up Dame. Allez donc y trouver des réponses. Très bien ça. C'est très très bon. Écoutez, je suis hyper intéressé par tout ce qu'on est en train de vivre là. Je sais pas vous, mais moi ça me fait bien kiffer là. Ok, on a survécu donc à la boucle, je suppose, c'est ça? On a survécu à la boucle, là? Très bien. Trouvez mon immeuble.
Ok. Ok, donc tout le jeu va se passer sur la même map et je suppose qu'il y aura plusieurs personnages avec plusieurs stories. Très bien. Bienvenue dans Deathloop, voici quelques conseils pour bien démarrer. Les pistes enregistrent les informations découvertes qui permettront à Cole de briser la boucle et de s'échapper de Black Reef. Vous retrouverez ici les pistes que vous avez découvertes. Déplacez le curseur, très bien. Ok. Trouver mon immeuble, très bien. C'est dangereux par ici, il faut vous équiper des meilleurs objets et armes. Ok. Très bien. Tuez des visionnaires et prenez leurs modules. Pour... Vous pouvez les équiper et vous améliorer ici. D'accord. Et ça, c'est mon module, c'est ça? Faites un double saut dans les airs. Ok. Donc, j'ai la capacité de faire un double saut. Lorsque vous récupérez plus d'armes, vous pourrez les choisir ici. Évidemment, j'en ai pas plus. Très bien. Réduit légèrement le recul. Oh là là, mais c'est quoi ce délire? Menu me paraît showtime, hein, frérot. Hein. Explorer. Ok. Bon, je me suis équipé et tout. Ça va swinguer. Hein. Oh, oh, oh. Oh là là. Allez, on est parti, les gars. Direction Updame. On va mener un petit peu cette enquête. Bienvenue dans la boucle numéro 1. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay. Je t'ai demandé de faire quelque chose de différent et tu décides d'aller à Updame? Comment tu sais où je suis? T'as des caméras ou quoi? La radio repère ta position. T'as toujours l'air si surpris, comme si je ne savais pas exactement où t'allais. Je sais même pas moi-même où je vais. La place d'Orsay est juste en bas de la rue côté falaise. Laisse-moi deviner, premier étage. On dirait que tu attends une invitation. Pour que tu me remontres ta tireuse à bière. Un autre moi, ce colt-là en a plein le cul de te parler. Tu m'en diras tant. Au fait, tout le monde reconnaît ta stupide veste. Je l'aime, cette veste. La mort est morte ici. N'abandonne jamais. Surveille tes arrières. Nous, on passe pas par le chemin. Votre propre style. Les ennemis et obstacles de Black Reef peuvent être éliminés de nombreuses manières. Combat, esquive, furtivité et ruse constituent tous autant d'approches possibles. Attendez la fin d'une conversation pour isoler vos ennemis et éventuellement glaner de nouvelles informations. Installez des pièges, faites du bruit. Oh là 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 là. Il me paraît vraiment complet le jeu, les gars. Black Reef t'appartient certain. Je comprends pas où ça part. Désolé, madame, monsieur, madame, je ne sais pas. Armée rapide n'a pas conscience de votre présence. Aime le corps à corps, attends qu'il se passe quelque chose. Ok, besoin d'un code ici. Electro, mon ami, mon pote, mon compagnon de fortune, la dernière chose que j'ai envie de faire serait de te blesser, mais je vais tuer tout le monde sur cette île si ce portail continue à faire de la merde. Je sais que t'as eu certains déboires autrefois, que t'es venu ici pour un nouveau départ, que t'as juré, ok. Ok, donc c'est Electro qui peut gérer ce portail, c'est ça? Téméraire à l'extrême, attends qu'il se passe quelque chose. Quoi? Hop, voilà. T'as pas attendu longtemps, mon ref, je suis venu. Hein. Pour faire apparaître les équipements principaux.
Ok. Ça me plaît. Ok, il y a des portes un peu partout. Très bon ça. Merci mon Agrum pour le 19e mois. Le jeu m'intrigue de ouf les potes. Hein. On peut vraiment... En fait, ça va être un immense bac à sable. Et plus tu vas connaître la ville, plus tu le feras du Assassin's Creed, mon frérot. Hein. Équipement basique. Attends. Ça me paraissait trop beau, mais je me disais sur un malentendu. Ok, c'est quoi ça? Faut que je tire sur un truc. Ok. Wouh! Ça a l'air ouf en vrai. Les gars. Je kiffe bien pour l'instant. C'est étroit. Et ben on y est. Toi, toujours toi. Arme double. Colt peut manier une arme dans chaque main. Vous gagnez en puissance de feu, mais perdrez toute capacité en mode visé. Ah ouais! Parfait pour redécorer chez soi. Ou enchaîner les têtes en toute discrétion pneumatique, ouais. Ok. Ok les gars, message. Téléphone bip. Wow, joli. N'abandonne pas, Lila. N'abandonne pas. Pas question. Conversation temporaire, nouveau message. Colt a décidé de briser la boucle. Pourquoi il ferait une connerie pareille? Un effet inattendu de l'anomalie sur son système cognitif. Peu importe la raison, il nous met tous en danger. Alors agissez intelligemment, ou du moins essayez. Va te faire foutre, Juliana, qui t'a fait chef de la sécurité. C'est ça, Alexei, chiale encore plus fort. Il serait temps de retrouver l'autre moitié de ton cerveau, tête de cul. J'ai un plan pour lui. Laissez parler les adultes, protégez-vous, c'est tout. Quoi qu'il arrive, nous devons survivre. Mais on ne devrait pas être à sa poursuite, l'attraper, l'étudier. Détends-toi, c'est que Colt. Le PPB est toujours notre salut. Colt peut lire tout ça. Ok. Merde, ces mecs sont acharnés. Encore debout, Colt tout court. Ok. J'écoute un disque, je suis nerveuse pour nuit, tout ira bien. Je l'ai déjà fait, je te rappelle. Notre capitaine badass. D'accord, donc je suis le capitaine d'un groupe. Vraiment, t'as fait tout ce chemin à pied. J'ai vérifié le centre de contrôle. Plutôt cool, pas vrai. Ok, dans la main d'une seule personne. Très bien. Moi, je complimente tout le temps les gens. Vous avez gagné un super cadeau. À partir d'une salle de je le savais, putain, pauvre combat. Personne t'a touché, n'a touché à ton minicom, facile. À part toi. Dis bonjour au dératiseur. Bizarre.
Des rencontres torrides à chaque boucle. Oh, ça, ça m'intéresse. Je le savais, putain. Ah, oh, putain, mais c'est un piégeur, lui aussi, là. Vous en avez terminé avec l'update pour le moment. Prochaine étape, le complexe. Vous pouvez continuer l'exploration d'Updam ou rejoindre directement la sortie. Vous aurez de nombreuses occasions de revenir à Updam plus tard, alors ne vous forcez pas à en explorer les moindres recoins pour le moment. Si vous mourrez avant d'avoir quitté le quartier, Colt recommencera une nouvelle boucle, perdant ainsi toutes les armes. Ok, d'accord. Tu te fous de ma gueule ? Vous m'avez parlé d'un snipe, il est où ? Il est où le snipe, les potes ? C'est quoi ce truc ? Il est où le snipe, les potes ? Le mec que t'as tué sur le toit ? Oh, merde, shit. Attends, ça, je pourrais faire un truc, non ? What? Un grille-pain? Ah! La boucle est bouclée! Wouh! Sérieux? Une solution explosive! Ah oh. Oh non, je suis mort. De la boucle. Reprise, cette mystérieuse pièce de métal semble vous appartenir. Le module vous confère la capacité de reprise. Donc ça, j'ai compris. Oh non, je suis allé au pire endroit du monde. Ici, non? Ok, là c'est là où je suis mort. Faut que je quitte cet endroit. Prendre la hauteur, merde, trouve un autre moyen. Où est la fin de la boucle? Oh non. Je vois le méchant. Putain, c'est pas possible. C'est à l'autre bout du monde. Ok, c'est ma vie. Putain, on dirait la musique de Matrix, mon ref.
Fin de boucle. C'est bon, on a réussi. C'est une aile serpente sous l'île tout entière. C'est mon ticket d'entrée dans le complexe. Oh non. Non. Attends. C'est Charlie qui gère le réseau. J'ai pas le code, on est d'accord? J'ai pas le code, les potes. On est d'accord? Si, c'est bon. C'est bon, c'est toujours le même code en fait. Suffisait juste de cliquer dessus. Ok. Surveille tes arrières. Bon! Quittez la zone. Bien sûr, on met les bouts. Contrôle de la boucle! Il doit bien y avoir un bouton pour mettre fin à ce cauchemar. Il serait temps d'appuyer dessus. On a avancé un petit peu, on n'en sait pas beaucoup plus sur tout ce qui se passe. Mais on sait qu'on est dans une boucle, il y a plusieurs quartiers, donc ça va tout tourner autour de la même ville. Vous avez survécu. Eternalis vous a tué par balle. C'est quand même, j'ai survécu. Localisez les commandes de la boucle. Le complexe a un centre de contrôle de la boucle, ça en jette et c'est bien pratique. Ok, bon bah malheureusement on n'a pas pu récupérer le snipes, et ça me fait chier. Oh, c'est quoi ça, cette grosse boule? Au fil de la journée, les quartiers de Black Reef évoluent au fil de la journée. Ici vous pouvez consulter les opportunités et secrets découverts dans le quartier pendant une période. Oh, ah, il y a un système, bah ouais, bah forcément c'est un système de temps, ok. Ok. J'avais oublié que j'avais le pompe. Non. Système de recul, autant le garder. Ça, je trouve ça flingué. Hein. Ok, ok. Vous infligez moins de dégâts, mais vous en subissez moins. On va rester en classique, là, en traditionnel. Est-ce qu'une tête, c'est une tête? Les gars, j'ai le seum. J'ai le seum parce que j'aurais pu avoir un sniper, vous êtes en train de me dire, là. On va faire une mission, c'est essayer de trouver le snipe. Ok. Allez, go. Le jeu a l'air incroyable. Franchement, honnêtement, je kiffe bien, les potes. Je vous le dis très honnêtement, je kiffe bien. Maintenant, je veux tout savoir. Tu vas passer tout ton temps à m'appeler comme ça, Julie? Juliana. J'en ai absolument rien à foutre de ton putain de nom. C'était pas le cas, avant. On était amis, Colt. Tu sais pas le... Oh, c'est pour ça que t'as demandé à tout le monde de me tuer. Et pourtant, je suis la seule à te parler. Ça t'apprend quoi, dis-moi? Que je traîne pas avec les bonnes personnes. Bon, centre de contrôle, à l'arrêt. Fristade, dame, absolument toute l'île est reliée par ces tunnels. Ok. Complexe est là-haut, donc. Très très bien. Il y a des méchants ici? Ok. Ça me rappelle, putain, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle à l'époque Time Splitter. Future Perfect. Fait du bruit au ralenti pour observer. Combattant à l'épée, pense qu'il ne se passera rien. Comme ça, pas cette fois. Oh, j'étais pas d'humeur à méditer de toute façon. Ah,
Pas maintenant, attention, pas comme ça. Pas maintenant. Et les gars, je dois écouter le conseil, vous croyez? De toute façon, on apprend de ses erreurs, hein. Passable, ça, je... Elle a l'air d'avoir un truc de ouf, là, non? Elle a l'air d'avoir un truc de ouf. Qu'est-ce que c'est que ce bousin? Ça a l'air d'être un pompe, ça, non? Ok, faudrait que je sorte qu'avec une arme les prochaines fois. Mauvaise direction. Je crois que je vais les écouter cette fois-ci, les gars. Sniper. Oh là 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 là. Ok, on va enfin avoir notre snipe. Merci Bobby, mon ref. Oh! Ah, d'accord. Oh, damn. N'exagère pas, Colt. Ok. Je suis hyper concentré, les refs. Il avait quoi en arme? Le chacal? Ok. On est parti. Tout est en dessous. N'est jamais trop tard. Lui, il a du lourd. Garçon boucher n'a pas conscience de votre présence. Okay. Les gars, je suis tellement captivé. Et quoi? Attention derrière, pas comme ça. J'étais pas d'humeur. Si seulement ils nous laissaient les aider. J'espère que c'était pas Colt.
Ok, 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 ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on a réussi ce qu'on voulait, même si on l'a pas fait de manière très très propre. Non, ça va. Très bien. Y a pas une sœur là qui avait incroyable snipe, les gars. Hein. C'est quoi ça? Ça, je sais toujours pas c'est quoi ça. Je me sens parfaitement bien. Ok. Bon. On s'en est pas sorti comme je le pensais. Elle a loot autre chose, celle d'avant. Ouais. Vous croyez que j'ai loupé des trucs derrière? Fermez cette centrale une fois pour toutes. Ok. Si Colt arrive à pénétrer ici, la fête sera finie. Oh, on va... Juliana voulait que ce soit fermé. Donc, moi, je veux l'ouvrir. Ça part en vrille, ça part en vrille, ça part en vrille, ça part en vrille. 2, 3. Ici, tu es cet idiot. Maintenant. Oh, mais non! Quoi? Tu seras de retour demain. Quoi? Ce sera ça, ton premier jour? Y'a rien à faire ici. C'est elle qui fait toutes les recherches. On bosse dans un thermomètre glorifié. Troisième commandement. Protéger la boucle. Ça, c'est ce dont j'ai envie. Ouh, ça, ça fait du bien. Valeur VN à 646-5537.55. Enfin. Ok, j'ai trois différentes manières de venir, je suppose. Je suis tellement concentré des fois, c'est incroyable. Elle a un bon flingue, je crois. Ok. Il y a des objets qui sont bloqués dans la boucle. Il doit y avoir un autre moyen. C'est ça, il y a des objets bloqués dans la boucle ou quoi? Ok. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Bah elle l'a démonté dans... Elle l'a démonté parce qu'elle sait qu'il ne mourra pas. Ça c'est Keblo dans la boucle. C'est que j'ai dû tenter des moves. Ok. Bon, bah on va essayer hein, ce fameux bouton. Hein. Oh, ça a l'air de faire des trucs importants. Ça. Mais qu'est-ce que... Ok. C'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. Bon, alors quoi? Faut que je trouve putain de batterie. Quel que soit ce truc à la con. Ok. Attends. Une rapière de plus haut level. Qualité de l'arme un petit peu plus agréable, n'est-ce pas? Ok.
à ce que tu sais faire. Il sait des choses, on le sous-estime. Ok, let's go. Bienvenue, Eternalist. Ici Igor Serling. Vous êtes déjà demandé comment notre merveilleuse boucle temporelle fonctionnait. Il y a bien longtemps, l'île de Blackfoot fut victime d'un événement cataclysmique qui a déchiré le voile du temps et de l'espace. Nous appelons cette déchirure l'anomalie. J'ai fondé le programme Aeon avec les visionnaires pour protéger et étudier les déséquilibres éthériques de ce phénomène. Par conséquent, PPB. Merde. Oh, là que c'était fini. Hein, le PPB est dans le bureau de la sécurité au rocher de Freestyle. Prévenez le chef de la sécurité et il vous dira comment utiliser le PPB pour protéger la boucle. Ok. PPB, ça semble puissant. Ça pourrait faire des dégâts. Ouais, c'est parti, allons trouver ce PPB. Sur un malentendu, les potes... Non, c'est toujours la même chose. N'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous voulez en savoir plus, les amis, sur Deathloop. Ok, c'est bon, ça on a déjà lu. Très bien, allez, on continue. Ok. Ah, pas mal. D'accord, ça donne des munitions de chaque, c'est bon ça. Ok. Les tourelles balistiques peuvent être utilisées contre vos ennemis. Ok. On est dans une... D'accord. On est dans une gigantesque faille, c'est ça ? Le jeu est hyper intriguant, j'aime bien le délire. Et encore, hein, je suis sûr qu'on n'a pas découvert 10% de tout ce qu'on peut faire en vrai. Hein. J'aime bien, hein ? Non, c'est bien ça, hein ? Hop, on va terminer le jeu ensemble, hein ? Bibiche. Inconscient. Hop, sans garde à mon ref, hein. Rien à péter. Hein. Non, reviens. Alors c'est comment? C'est très très bon mon frérot. Vraiment. Là je veux trop en savoir plus surtout là. J'avais pris le mauvais chemin. Oh, non. Faut que j'aille là-haut. Mais comment... D'accord.
d'accord, la banquise. Ok. Très bien ça. On a récupéré encore des nouvelles armes. C'est honnêtement, je vais pas faire le gars, c'est vraiment très très bon comme jeu. Tu peux demander au chat qui suit depuis tout à l'heure. Merci Mikagats, merci pour le 19e mois, merci aux fraises bananes pour le 21e mois aussi. Les gars, vous pouvez demander au chat, hein. Il se trouve au poste de sécurité. Ok, bah si je garde ma mallette, en vrai, je suis ropin là, non? Je suis ropin de ouf, hein. T'es toujours au tuto? Mais non, mais c'est terminé plus longtemps là, le tuto. Ok. Attends. C'est les nouvelles armes, équipement récupéré, j'ai dû sacrifier une arme en échange. Vraiment, ça a l'air grave bien. Bah non, mais on est d'accord, hein. Coucou, Gum Gum, ça va ou quoi? Ok. J'ai fait quelques petites découvertes, évidemment. Bienvenue dans la boucle. Ah ouais, mais j'ai fait une erreur. J'ai fait une putain d'erreur. J'avoue que j'ai débloqué aucun accessoire, ça c'est terrible. Hein. Changer de tenue. On peut changer de tenue pour Jésus? Ah ouais. Ok. Ok, explorer le rocher Freestad. Tu comptes le finir STP? Bah en vrai je sais pas, parce qu'on peut tous les mardis après, vu que c'est un peu let's play, jeu chill et tout, on peut continuer, hein. On peut continuer de sortir, quitter cette boucle. Hein. Mais là je vais aller au bout du personnage là. Oh, les enfants, gardez-vous appris. Non, tu voulais que je réponde à ça. Je voudrais savoir si tu as enfin compris qui tu étais vraiment. Non, c'est facile. Je suis un buveur à tendance alcoolo, un homme sur une île. Tout le monde me connaît et me hait. À la gâchette et à la blague facile. Stylé. Pourquoi est-ce que tout le monde porte un masque? Tu as oublié ton petit aquatruc. Tu vas y arriver. C'est un aka magic. J'en ai marre de jouer. Maintenant, c'est moi qui mène la barque. Ok, tous à bord, mon chou. Chouchou. J'ai dit que je menais la barque. Pas un... Fichi. Prochaine étape, bureau de la sécurité. Chouchou. Voilà. Ok. Ok, j'ai pas le code. Je me demande comment on peut... J'avais cru voir un truc à un moment, non? Un tétard. Ok. Ah merde, il a un casque. Aime le corps à corps, n'a pas conscience de votre présence. Eh ben, on va l'arracher. Gros, il sait même pas... Allez, hop, ça dégage. Hein. Gros, il a acheté le caillou, les gars, il a rebondi sur ça, hein, miskin. Hein. Ok. Sport dans la main droite. Ça me fait rappeler, c'est vraiment, on dirait, un peu un Time Splitter 3. Hein. C'est incroyable, ça. Hein. C'est un bon délire. Hein. Ah oui, j'ai mon double saut, bibiche. N'a pas conscience de votre présence, quitte au standard, ok. Ok.
Rapière, pas ouf. C'est un joli morceau, ça. Frank n'y est pas. Spicer a quitté le bâtiment. Ça veut dire que dans cette boucle, si j'ai tout ça en indice, ça veut dire que je suis déjà allé loin en vrai dans la boucle. Attends qu'il se passe quelque chose. Hyper risqué, hein. Je vois pas comment passer là. Je vois pas comment passer, on va éviter. Merci Angel Dark pour le 7ème mois. Merci Yopfraise, Banane pour le 21ème mois. On va éviter les problèmes. La musique, je risque rien là, les potes. Accueille-les avec le sourire. Ce sniper, mon ref. Enfin, ça résonne, hein, ça résonne dans les chicots. Hein. C'est Monsieur Bon, le pipi. Ok, capitaine, mon capitaine, mon Colt. Tu veux que ton coffre d'ici soit ton coffre de là-bas, et maintenant il l'est. Là, sécurisé dans ton appart, dub dam. Ah, il faut que je retourne à l'appart, il y avait un coffre, effectivement. Sauf que Miss Mina m'a dit que tu avais le code par défaut. C'est une invitation, tout le monde connaît ce code. 6526. Ok, ok. Un chiffre ici, un autre là, jusqu'à ce qu'il soit tout neuf. Ok. Black Reef, le savoir est une arme. Pour progresser, vous devrez souvent revenir dans certains lieux à amener de nouvelles informations. Puisque vous avez trouvé le code de votre coffre, par exemple, vous pouvez retourner dans votre quartier. Et ben, on va y retourner. Hey, mais putain de merde, c'est moi qui ai créé le PDB. Ce qui veut dire qu'il est chez moi. Ouf. Ah, dame, bordel. Oh. Oh. Ok. Je ne suis pas... En gros, je suis pas n'importe qui, quoi, tu vois. Je me sens parfaitement bien. Je suis pas n'importe qui. Oh, 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 vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire, les bibiches. Je vais vous montrer si vous savez pas ce que ça veut dire. Bon, là, tout est éclaté. Ok. Ok, ok, ok. Merci à Tigmac pour le 17ème mois. Vous savez ce qu'on va faire même? Bougez pas. Je suis mort. Putain, le bar est juste au-dessus. Qu'est-ce que j'ai branlé, moi? Je sais même pas comment j'ai fait ça. Quoi? Allez, hein, cadeau, hein. Yo les gars! Ça va ou quoi? Alors, qu'est-ce que vous aviez comme arme? Yo! Attends, c'est moi qui t'ai déployé!
crois que je me disais aussi. Peut-être dû la pirater avant, hein. Ah, c'est... Ah bah oui. Je me disais, c'était... En vrai, depuis le début, je vais pas faire le man... Je savais, c'était bleu, je me disais, c'est bizarre, tu vois. Mais quand même. Bon, c'était peut-être aussi bizarre que... Oh, une pompe à bière. Merde. Une bande d'arcade. Ok. Bah c'est nul en fait tout ce qu'il y a ici. Attends. C'est totalement nul ce qu'il y avait ici. Dommage. On peut y aller. Je croyais les potes. Je pense que c'est ça qui crée la boucle temporelle, ce truc immense là. Allez, go, dans le quartier. Et on retourne à mon appartement. Je pense qu'en fait, on va diriger plein de persos. Plein. Et on va faire une boucle avec chaque perso, en fait. La tourelle, non, là, on l'emporte pas, mon ref. J'ai essayé tout à l'heure, on l'emporte pas. Je pense qu'on va faire... En fait, l'histoire du jeu, c'est qu'on va faire une boucle avec chacun des personnages. Et on va réussir à comprendre qui est Juliana et tout. J'ai peut-être tort, hein. T'avais un truc derrière avec le new code. Non, c'est à l'appartement le new code. Tu vois, ouvrir le coffre. Par contre, j'ai un bon fusil à pompe. Il n'y avait pas une armoire où tu pouvais interagir? Ah, peut-être les gars. Hein. On y retournera de façon. On y retournera. Tant pis. Tant pis les gars. La boucle est bouclée. C'est terminé. Terminado. De toute façon, on y reviendra certainement hein, ici. Hein. Ils l'ont dit, hein. N'ayez pas peur, vous revenez très vite au même endroit. Hein. Juliana. Juliana, t'es là ? J'ai rien là, les gars. Juliana. Je me suis souvenu de ton nom. C'est un gamin. Ah, là, on est le soir. Ok. De nuit, Updam est plus dangereux. Les chemins plutôt sont sûrs. Ok. Top secret. Ok, qu'est-ce que c'est? J'ai dit qu'il était top secret. Crache le morceau. Ok, ok. Le meilleur endroit pour regarder le feu d'artifice, c'est à côté de la scène. Attends. C'est tout ce que t'as, va mourir. Mais quoi? Ça va être spectaculaire? Je me pèle le cul, le qui à cause de Code. Ça a intérêt à être spectaculaire. On devrait l'attraper vivant et l'attacher au fusée. Quoi? Tu dis ça comme ça? Ok. Ici Alexis Dorsey, visionnaire du programme Aeon et principal soutien financier. J'aurai un message rapide à faire passer aux invités de ma soirée ultra exclusive. Je kiffe le game. En vrai, par contre, je kiffe vraiment le jeu, les gars. C'est pas une blague. Hein. Je kiffe vraiment le jeu. Hein. Je reprends exactement le même chemin des barres que j'avais pris avant. Oh là là. Franck tire des feux d'artifice tous les soirs. Ok. Ça, c'est bon à savoir. Peut-être, sûrement. Vite.
je suis pas serein. Lui, il a l'air d'avoir un truc cool. Ouais. Oh. Oh. Très bon, ça. Je pense que c'est des accessoires. Je reprends exactement le même chemin MDR. À mon avis, le level design, il a tellement été léché. Incroyable. Ça va être... Ça, c'est sûr que ça va être les habitudes de moi en tant que joueur sur le jeu. Il y en a qui passeront à chaque fois par d'autres chemins et tout. Mais moi, je passerai souvent par là, je pense. Ça m'avait l'air assez facile d'accès au début. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Donc les empêches la sécurité. Il me faudrait un putain de silencieux, je kifferais là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Ok, j'ai très très chaud. On te trouvera. On a tout le temps du monde. Ce programme Eon nous dépasse tous. Je ne vois pas. Débarre, il y a une station pour batterie. Non, je prends pas par hasard. Et je la dégomme. Ok. Les gars, je suis tellement pris dans le jeu, c'est ouf. Pirate ça. Ok. Qu'est-ce que... Ah. À moi, j'ai pris ton précieux PPB. Je suis trop maligne, trop rapide, trop puissante. Et toi, t'es aussi lent et barbant que d'habitude. Ça me met même pas en colère, je suis juste déçu. Je sais que tu peux faire mieux. Ou tu peux aussi aller te faire foutre. Tu choisis. Viens aller me faire foutre. M'appelle pas, je m'en chargerai. Ouais, mon PPB. J'ai pas fini. C'est pas ton heure, c'est la mienne. Je gère cet endroit. Tu veux te barrer, tu dois passer par moi. Alors c'est ça. Une sorte de prise de poste forcée. Le chef de la sécurité protège la boucle. Tout l'inverse de ce que tu fais en ce moment même. Parfait. Je vais prendre ton ancien boulot alors. C'était quoi ? Écrire des conneries à rallonge pour une bande de soapis, hein ? Quelqu'un qui vient te dire bonjour. J'ai pas terminé. J'ai verrouillé les portes pour vous. Merci Joujou la foule pour le 39 mois. Porte ! Celle qui mène à tes petits tunnels. Un design brillant. Tout ça fourni par le capitaine. Oh ! Attends, merde ! Ça me gave ! Tu vas bloquer mes tunnels ? J'aurais qu'à les débloquer. Ok, invasion de Juliana. Juliana peut pénétrer dans une zone pour vous traquer. Lorsque c'est le cas, les tunnels de sortie sont verrouillés. Débloquez-les en piratant l'antenne radio locale. Vous pouvez également choisir d'affronter Juliana et de refaire le plein de reprises en la battant.
Juliana ne peut envahir que les quartiers dans lesquels se trouve un visionnaire. Elle ne peut pas envahir un certain nombre de fois par boucle. D'accord. Donc là, Juliana, elle est dans ma boucle. Ok. Juliana et la plupart des visionnaires portent sur eux un module qui leur octroie des aptitudes surnaturelles. Vous pouvez utiliser les modules des visionnaires après les avoir dépouillés leurs restes. Les modules s'équipent dans le menu secondaire en restant appuyé sur O. Maintenez OK pour la sélection des modules. Bon, ben, on va essayer de démonter un visionnaire, hein. Trop forte, beaucoup trop forte. Ok, STP. Ah, je t'ai eu. Il est où ton carnet de trucs, hein? Ça fait du bien. Juliana jouit d'aptitudes surhumaines. Fouiller ses restes pour trouver un module. Elle est morte? Je l'ai eu. Je l'ai eu. Ok. Ok, on s'est entretué, non? Ça, c'est moi. Let's go. La transposition. Ok. D'accord. Hop, ferme ta gueule. Là, on peut vraiment passer partout, c'est trop bien, les gars. Compris les refs. Ah. Il y a un truc à faire, vous croyez? On va se couler. Ah, je croyais qu'on pouvait passer par-dessus, dommage. Voilà, c'est un peu too much hein, ce que j'ai fait, je suis un connard. Il flinguait son pouvoir à elle. La musique. Hop, failli mourir. Quoi? La bouche! Pour grand Et ben voilà! Plus de peur que de mal! Je
kiffe la musique. C'est pour ça que je voulais un peu d'action là. Pendant qu'on se défouraille la gueule, tu vois, je voulais un petit peu de sang. Allez, go. Let's go, vivre toute la journée. Oh oui, on a vécu nuit et jour. C'est bon, ça. Let's go, on a peut-être fini une boucle, non? On a peut-être fini une boucle. Juliana est morte. Vous vous en êtes sorti, pas Juliana. Ok, j'ai peut-être fait une bêtise. Une boucle s'éteint, un autre s'éveille, la gueule ensablée. Ok. Revenir au matin. Juliana a vidé mon coffre dans la journée. Dommage pour elle. Elle m'attendra de nouveau au petit matin. Ok. Les tirs au jugé ont une dispersion légèrement réduite. Visez, c'est tricher. Vous subissez moins de dégâts dans les zones bondées. Ça s'appelle l'extraversion. Vous avez survécu en cette journée. Commencez une nouvelle journée. Bon, on a fait une journée entière. On va donc relancer la boucle pour savoir un petit peu ce qui se passe. Honnêtement, vous en pensez quoi du jeu jusqu'ici, le chat, sincèrement? En vrai, propre ou pas? Dites-moi un petit peu votre avis à ce sujet-là. Et les gars, il y a un mode multi, hein. Il y a un mode multi où on peut empêcher les boucles des autres. C'est un délire. Il est vraiment ouf, grave propre, incroyable, très propre. Honnêtement, il est propre, je trouve. C'est... ouais. Avouez que ça donne envie d'en savoir un peu plus. Allez, on est parti, nouvelle boucle. Il y a un multi dessus, ouais. Bon, PPB, coffre-fort. Faut que j'atteigne ce coffre avant elle. Ok. Ensuite, je récupère le PPB. Ah, oh, ça a intérêt à être un flingue. Je sais pas du tout c'est quoi le PPB. Ah, bah oui. Ah, pute bah borgne. Oui. Mes armes ont disparu. Pute borgne. On va avoir des problèmes. Mes armes et mes pouvoirs ont disparu. Oh non. Bah oui, mais les gars, c'est normal. En fait, quand on recommence une journée, je garde en moi que ma mémoire. On va recommencer. Jour, ça veut dire que je sais déjà ce qui va se passer. Même ouais. Et j'en ai marre de me réveiller sur cette putain de plage. Quoi? Je vais devoir faire ça tous les jours pour le reste de ma vie? Et puis merde, j'arrête cette boucle. Ok. Oh, mon bon taudis. Ok, on va aller direct à mon coffre. Cold, colti, coltune. Ta gueule, ta gueule. Ouais, quoi? Très impressionnant. J'applaudis d'une main. N'en reste pas là, mets les deux ensemble. Le nombre de morts va aller croissant. Tu m'as eu moi et quelques autres, mais tu veux vraiment tuer tous les habitants de l'île? Pas efficace. Et tu commences à te sentir coupable. Je me sens super bien, merci de demander. Et si t'essaies encore cette embuscade de merde, attends-toi au même résultat. Ok. On est reparti, jour numéro 2. Ok. Allez. Bon. Grosse fouille de l'appart. Coffre-fort. On revit les mêmes choses. C'est parti. Briser la boucle. C'est parti. Je m'y habituerai jamais. Donc en fait, ce premier pouvoir, j'ai le droit de mourir deux fois et je rejoue une boucle. Une nouvelle aube. Allez, on est parti. J'adore sa répartie. Non, franchement, sur les doublages carrés, le jeu en soi carré, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On est parti, on est parti. Donc vu que je sais pas trop ce qui m'attend, on va gérer sur mon arme. En breloque, on va mettre réduit légèrement le recul. Voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a ça aussi là, je crois. Fais un double saut dans les airs. On est bon. Ok. Allez, go! Direction l'appartement. On va enfin savoir ce qu'il y a dans ce coffre. Il a commencé le jeu il y a longtemps. Bah, vu qu'on fait le jeu en boucle. Vu que c'est le jeu en boucle, eh, bienvenue! Tu viens d'arriver! C'est le premier niveau, c'est pas une blague! Ok.
va reprendre exactement le même chemin. J'étais passé par... Oh non. C'est bon. Oh, je suis une machine. Ouf. Elle était pas là, elle, d'habitude, hein. Ah, c'est... Non, c'est les moments de la journée. Oh, shit. Il a une mémoire parfaite. Quand il parle, c'est le futur. Classe. Un majordome électrique, c'est cool. Il ferait le ménage. Il ferait aussi la chasse aux intrus. Attends, il paraît qu'il peut ouvrir. Vous avez vu? Mécaniquement, je prends exactement le même chemin. Là, je crois qu'il y avait une personne à droite. Là. T'as rien vu, mon ref. Malheureusement. La boucle est bouclée pour toi. Ok, là, il y a personne sur le toit de bourré. On va essayer un tout nouveau chemin. Oh, bien. Là, il y a deux personnes normalement. Ils sont partout. Là, il y a deux personnes qui vont réparer le bordel. N'exagère pas, Colt. Voilà. Comme d'hab. Mon appart. Bon, et ben voilà. PPB, montre-moi un truc cool. C'est pas ce que je voulais. Ah ! Protocole de préservation de la boucle. Les visionnaires sont la boucle. Elles ne persistent que tant qu'ils sont en vie. Si les visionnaires sont menacés, la boucle est menacée. Si les visionnaires périssent lors d'une même boucle, celle-ci sera déstabilisée et s'effondrera. Plus de fêtes, plus d'expérience, plus de vie éternelle. Protocole. En analysant vos centres d'intérêt, vos bureaux et vos résidences, j'ai identifié des points de faiblesse notables pour chaque visionnaire. Ok. Donc, Alexis, il fait trop de grands rassemblements au manoir. Charlie supervise son jeu de rôle. Donc, à Updam. Updam, les deux sont à Updam. Egor, soirée en solitaire au complexe. Fia, exposition au rocher, Franck au rocher, Ariette à la baie de Karl, Juliana, Aeon et Updam en fin de soirée, et Yenji, test de la brèche, donc dans le complexe. En cas d'incident de sécurité, les éternalistes Aeon seront dirigés vers les vulnérabilités listées ci-dessous. Ok. Ok. C'est comme ça que je vais briser la boucle. Bon, 8 personnes, une journée, c'est... Toi ? Ouais. Ok, ok. Bon, c'est quoi le plan alors ? 8 cibles, une journée, il va falloir quelques colts en plus, si on veut raser cette île dans une marée de colts. Non, écoute, je peux pas rester. Comment est-ce que t'es arrivé là ? Tu t'es pas fait buter il y a 2 boucles, ou 3 ? Allez, dis-moi autre comment t'as code. Fait. Écoute, on est des milliers, peut-être plus, j'en sais rien, mais aucun d'entre nous n'a réussi. Okay. Tu dois être meilleur que nous tous. Alors te contente pas de tirer sur tout ce qui bouge. Moi, j'aime canarder tu des trucs. Tu dois te montrer malin. C'est le seul moyen de résoudre ça. Ça et ça. Je préférais le plan Radmarie. Le labo d'ONG. Trouve le résidium, ça te facilitera la vie. Ou choisis la complexité. Comme tu veux. Tu te démerdes. Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu... Enfoiré, va. Bon, on commence. Le labo de Wenji, hein. D'après le PPB, il est dans le complexe. Pff, autant commencer par là.
Ok, terminé le jour le plus long. Le PPB n'est pas un pistolet, mais une arme presque aussi redoutable. Il vous révèle où chaque visionnaire est le plus vulnérable. Ok. Bienvenue dans le programme. Je parie que tu t'y attendais pas, mais Franck s'occupe bien de mes amis. Je me fiche. Profite bien de la vue, Capitaine. Ok, d'accord. C'est terminé, on a gagné un trophée. Ah, le grippin, il est plus dans... Ça veut dire que le grippin était dans une autre boucle, c'est ça? Ok, go. On va reprendre le même chemin, on se barre tranquille. Et ça va être très très bien comme ça. D'accord. Putain, le concept même du jeu est quand même assez ouf. Vous avez vu, là, je me balade comme un... Comme un chat, frérot. C'est ma ville, mon ref. Regarde. Hop, voilà. On a déjà quitté la boucle. Tous les après-midi dans son labo. When... Ok. On va essayer de démonter un autre... le concept est culotté. On va essayer de démonter un autre visionnaire. Un homme et son plan. Vous avez 8 cibles et du temps à tuer. Première, Dr. Wenji. Ok, on va essayer en 24 heures de faire les 8 visionnaires. Ça peut swinguer. Ça peut swinguer même très très vite. Oh là !